Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 14 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant de commencer, merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Je suis prête à honorer ma divinité et à servir l'humanité. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé « Déployez vos ailes » et c'est avec l'archange Ariel. Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Le message de ce bel archange Ariel, eh bien, il vient vous dire que bien que vous puissiez être intimidé par la perspective de changement et par l'idée de dépasser votre zone de confort, n'est-ce pas? Vous êtes prêt, mais vraiment, vous êtes prêt à voler à haute altitude. Alors il vous invite à accueillir les nouvelles occasions et sachez qu'il n'y a aucun risque à suivre votre petit cœur et vos rêves. Il vous invite aussi à vous concentrer sur l'amour, l'entraide, les bonnes dispositions et éviter l'esprit de contradiction et le scepticisme. N'oubliez pas que vous inspirez les autres grâce à votre capacité de transformer les défis en victoire. Parce que vous avez cette capacité, on a toutes et tous cette capacité de transformer les défis en victoire. Il faut encore le vouloir. Travaillez avec l'archange Ariel. Vous savez, cet archange Ariel aime tous les êtres vivants et il se fait un plaisir de les aider tous. Ariel est un maître de la manifestation et il soutient surtout ceux qui sont guérisseurs, enseignants et aidants. Il a un faible et bien pour le domaine de l'environnement et travaille étroitement avec les anges de la nature pour protéger et guérir les animaux, particulièrement les oiseaux, les animaux et les poissons qui vivent près de l'eau ou dans l'eau. Une manière de travailler avec ce bel archange Ariel est de participer à des actions en faveur de l'environnement, comme par exemple ramasser les déchets près d'un lac, d'un ruisseau ou d'un océan. Donner du temps ou de l'argent à une cause environnementale ou opter pour des produits nettoyants écologiques. Il est très facile déjà de ne pas, eh bien, soi-même, de ne pas jeter par terre. Voilà, quand vous êtes dans le bois, ne rien jeter par terre. Quand vous êtes au bord d'une rivière, d'un lac, hein, ou même sur la plage, rien jeter, car ça nuit évidemment à tous ces animaux. Très bel archange, l'archange Ariel, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à lui demander de vous aider dans une problématique que vous êtes présentement en train de vivre. Voilà, et il serait bon de sortir un peu de votre zone de confort et de prendre votre envol. Voilà, élargissez votre zone de confort. Et prenez votre envol.
en toute quiétude. Eh bien, pour mes petites prières pour guérir, j'ai pigé alimentation. Alors, quelques questions. Pour certains d'entre vous, est-ce que votre alimentation est-elle adaptée à votre maladie ou à votre problème de santé? Alors, pouvez-vous faire des tests pour détecter les allergies, des allergies éventuelles alimentaires? Est-ce que vous compensez, peut-être certains d'entre vous, des problèmes affectifs, par exemple, et bien de nourriture, ou au contraire, par une tendance à l'anorexie? Avez-vous été allaité? Est-ce que vous avez été sevré trop rapidement? Avez-vous un problème affectif et relationnel avec votre mère? Voilà, ce sont toutes des questions que je vous pose et que, pour certains d'entre vous, vous savez certainement y répondre. Et la petite prière pour l'alimentation, je sais, c'est pas facile quand on se rue sur la nourriture parce qu'on n'est pas bien psychologiquement, soit qu'on a peur dans une dépendance, dépendance affective, c'est pas facile. Mes anges, merci. Merci de m'aider à choisir les aliments qui sont porteurs d'une énergie nourricière pour préserver ma vitalité. Merci de porter à ma bouche ce qui concourt à ma pleine santé. Merci de distiller dans mon corps toutes les offrandes de la terre-mère. Et vous allez répéter ceci 3 fois. Je suis ce que je mange, je mérite ce que je mange. Je suis ce que je mange, je mérite ce que je mange. Je suis ce que je mange, je mérite ce que je mange. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à demain et je vous embrasse. À demain.